Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 66 Prime 4 les dilemmes. Alors ce soir on se retrouve avec des anciens et c'est la soirée des dilemmes. Alors ce soir nos deux nominés sont Cassandra et Indira. Votez, c'est le 1 pour Cassandra, le 2 pour Indira. Ce soir il y aura des règlements de compte. Je viens de me rendre compte que la production n'a pas fait le résumé de la semaine. Voilà, j'espère que vous vous dépêcherez de le faire. Bref, on appellera si jamais il y aura le résumé de la semaine. Mais il est probable que cette semaine, il n'y ait pas le résumé de la semaine. Donc, on va se connecter avec les habitants. C'est parti. Bonjour les habitants, c'est Natacha, vous m'entendez? Oui. Bien, alors Indira, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Bah, je me sens nominée. Voilà. Non, ben honnêtement, je... Ben... En fait, si je pars ce soir, franchement, je serais dégoûtée parce que c'est assez tôt dans l'aventure. Je vais quitter mes amis. Et puis, c'était une mauvaise semaine pour moi dans la maison. C'est vrai qu'on s'est disputé avec Will. Pour moi, c'était une mauvaise semaine, ouais. Donc, ben, j'aimerais pas partir. Et vous, Cassandra ? Enfin moi j'ai pas envie de partir tout simplement parce que je suis la meilleure candidate de cette aventure et que si je pars je pète un câble, littéralement je pète un câble, enfin c'est moi qui dois rentrer. Bien, je vais vous laisser avec la voix qui a une annonce à vous faire, d'accord. Ici la voix, à tous les habitants, ce soir c'est la soirée des dilemmes. Chacun d'entre vous passera à la barre avec une autre personne et devra résoudre des dilemmes. Sinon, un indice considérable sur son secret sera révélé à l'ensemble des habitants. Cet indice, c'est votre image du générique. Oh my god! Oui, effectivement. Vous devrez le protéger coûte que coûte. La voix a sélectionné deux habitants pour passer à la barre. Sacha et Will. Rendez-vous dans le jardin. D'accord. Ah. Moi, je te le dis, c'est hors de question que je t'immunise. Pareil. Et c'est hors de question que je te donne de l'argent, moi non plus. Hein. Ouais. Je t'ouvre la porte ? Ouais, s'il te plaît. Ah bah tiens, elle est où ? C'est la voix ? C'est la salle des vérités ? Oui. Oh, cool ! Je pensais pas revoir cette salle perso. Ah ben, pareil. Enfin, perso... Ah merde. De toute façon, moi, de base, j'étais pas rentrée dans la salle et j'ai pas pu la voir la salle parce qu'il y avait aucune vérité sur moi. Donc, c'est cool. Oh mon dieu, le sol il est magnifique. J'aime trop. Ici la voix, vous pouvez regarder vos indices. Enfin, vos. Ok. Bon, pas de dilemme trop dur pour moi. Je vois pas le rapport avec mon secret perso. Oh mon dieu. Ouais. Ici la voix. Sacha, es-tu prêt à perdre 2000 euros pour protéger ton indice? 2000 euros, la voix. Je vais arriver à 8000. Ouais. Ici la voix. Will. Oui. Toi qui as 20 000 euros. Acceptes-tu de perdre 2000 euros pour protéger ton indice? Ben oui, j'ai 20 000 euros et puis en plus, c'est un indice considérable, c'est hors de question que je le perde. Bien, vous avez passé le premier palier. Ici la voix. Sacha, acceptes-tu d'immuniser Will la semaine prochaine pour protéger ton indice? La voix, Will, il est déjà immunisé la semaine prochaine. Oui, pardon. Ben, la semaine d'après, 2 nominations d'affilée. Mon indice, c'est pas grand-chose, mais... Bon, allez, j'accepte. Bien. Will, pareil. Mon indice, c'est vraiment considérable. Et vu qu'il m'immunise, je l'immunise aussi. Hein. Et puis lui, c'est que la semaine prochaine, donc au pire, je peux le voir partir dans 2 semaines, c'est pas très grave. Bien. Troisième palier. Sacha, accepte cette semaine
la voix sait que vous vous êtes disputé. Et la voix n'aime pas voir deux amis se disputer si violemment. Et la voix sait que vous êtes tous les deux personnes très rancunières et que vous n'accepterez pas d'écouter l'autre. Sacha, acceptes-tu d'écouter et d'entendre et d'accepter ce que Will a à te dire pour protéger ton indice? Je protège mon indice et en même temps je peux voir sa version des choses. Donc, vous m'aurez posé la question hier, la voix j'aurais dit non, mais aujourd'hui j'ai envie de savoir sa version. Bien, tu peux jeter ton indice dans l'eau. Pourquoi ça marche pas? Ah voilà, c'est... Ne touche pas trop. C'est utile pour dire ça. Hop là, voilà. Ici la voix. Will. Pareil. Mon indice est trop considérable et j'aimerais écouter sa version des faits en fait, parce que techniquement, moi, perso, je ne vois pas du tout bien. Bien, vous pouvez régler vos comptes. D'accord. Tu commences ou je commence? Commence, je suis une victime et je vois pas en fait ce que tu as à me reprocher. D'accord. Voilà, très clairement, je n'ai pas aimé ta première réaction parce que Indira, elle avait ses règles. Les filles, quand elles ont leurs règles, elles ne le disent à personne en fait. Mais Indira, je croyais que c'était quelqu'un de tabou, tu vois. Toute personne a quand même au moins un tabou, moi je dis. Et Indira, enfin, comme la plupart des filles, même les filles tabous, elles ont un tabou, je pense. C'est les règles. Les filles peuvent parler des règles des hommes, mais pas de leurs propres règles. Et les filles, elles sont... Il y en a beaucoup, je sais qu'elles sont très complexées par ça. Donc, en plus, voilà. Et puis, excuse-moi, oui, mais la première fois, tout ce qu'on t'a évité, c'est... une mare de sang dégueulasse dans la salle de bain avec un spectacle affreux. C'est affreux. Rien de me remémorer la scène, c'était affreux. Donc franchement, t'as rien loupé de folichon. Hein. D'accord. Vous aurez pu me le dire un petit peu plus tranquillement. Mais oui, mais comment te dire de te casser sans t'expliquer la raison? Ouais, vous vouliez pas m'expliquer la raison. Mais bon, à un moment donné, Indira, quand elle fait une crise de règles, on va appeler ça comme ça, devant moi, à un moment donné, je sais qu'elle a ses règles. Et puis à quel moment tu vas dans une aventure sans tampon? Oui, elle est allée sans tampon et c'est Victor qui lui a passé un tampon. Mais c'est pas pour autant que... que voilà, quoi. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Oui, enfin, elle est complexée par ses règles, donc voilà. D'accord, mais moi, enfin, je me suis sentie exclue, en fait. J'arrive, je veux vous dire bonjour, et vous me dites directement de dégager. Enfin, moi, je l'ai vachement mal pris. Écoute, je suis désolée si tu t'es sentie exclue la première fois. La deuxième fois, je peux comprendre. C'était de ma faute. Je m'excuse, mais... faut que tu comprennes que j'allais pas quand même te dire que j'étais en crush sur Nance, quoi. Nance, c'est quand même ton ennemi dans l'aventure. Je dis à mon ami de l'aventure que je suis en crush sur son ennemi de l'aventure. Je veux dire, c'est... Non, enfin, tu l'aurais mal pris. Tu vois, non, je l'aurais pas mal pris. Moi, je suis quelqu'un qui a extrêmement peur du jugement. Et quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, je ne le dis pas, en fait. Donc, très clairement, je ne te l'aurais pas dit. Je ne te l'ai pas dit, et voilà. En fait, tu as préféré qu'on se dispute et qu'on ne soit plus amis pour éviter... parce que tu croyais que je le prendrais mal, plutôt que de me le dire très clairement, en fait. Mais je l'aurais pas mal pris, en fait. Pourquoi tu l'as mal pris? En fait, ce que j'ai mal pris, c'est que Nance se mêle des affaires qui ne le regardent pas. C'était une dispute entre toi et moi. Moi, je pensais que ça allait se régler rapidement. Vous m'excluez? Ok. Enfin, non, pas ok. Mais dites-moi au moins les raisons. Ou vous me dites, c'est des petits problèmes personnels, ça... Ça prend pas plus de 5 minutes parce qu'après, oui, certes, j'aime beaucoup être inclus dans les conversations et je déteste me sentir rejetée. Mais vous me l'auriez expliqué clairement que c'était vraiment un problème personnel et que ça durait que 5 minutes, je l'aurais pas mal pris. C'est vraiment la façon avec laquelle vous me l'avez dit, je me suis sentie vraiment agressée. Écoute, je suis désolée si tu t'es sentie agressée. Voilà. D'accord. Après, moi, je suis prêt à faire la paix avec toi, parce que,
Bah. Voilà quoi. Moi aussi, je suis prêt. Aïe, putain, ma tête. Sérieux, la voix arrêtait de mettre des trucs avec des coins et des trucs carrés dans la maison. Victoire, elle s'est fait une grosse trace dans la gueule en se frappant contre un mur la semaine dernière. Moi, je viens de me cogner la tête contre ce truc pointu. Arrêtez de mettre des trucs pointus. On se cogne, on se fait mal. À la fin, vous allez avoir des plaintes parce que vos candidats, ils seront morts dans votre maison. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Ouais. Bah, du coup, je suis désolée si tu me l'as mal pris et moi aussi, je suis prêt à ce qu'on se pardonne. Bon. Je pense que cette dispute, c'était indispensable dans notre amitié pour qu'on redevienne amis. On se parlait plus trop depuis qu'on était dans le même clan. Oui, et maintenant, on n'est plus dans le même clan, donc ça va beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que j'ai pas un beau cul. Non, mais. Et après, tu veux me faire croire que t'es hétéro? Non, mais. Tu quand même. Bon, bref. Du coup, on est réconciliés? Bah ouais, d'accord. Voilà, j'ai protégé mon indice. Vous n'aurez pas mon indice, enfin mon image de générique. On s'en a réglé nos comptes avec Will et on a réglé le problème. On est redevenus amis. Voilà. Donc Will, je ne te cacherai plus rien. D'ailleurs, vu que je ne te cache plus rien, je te le dis honnêtement. Moi, je pense que tu es homosexuel et que tu ne l'assumes pas. Voilà. Bref. Bref. Ici, la voix. La voix va appeler deux nouveaux habitants. Dani et Elodie. Ok. Putain. Oh my god. C'est quoi cette pièce qui est la même que celle d'avant? Ici la voix. Vous avez deux indices. Dani, tu peux regarder ton indice. Mais c'est hors de question que je le donne à qui que ce soit. Elodie. Stylé mon générique, stylé. J'aime beaucoup. Ici la voix. Dani, acceptes-tu de perdre 2000 euros de ta cagnotte pour protéger ton indice? Oui, la voix, j'accepte tout. Là, c'est pas possible. Là, je ne peux pas révéler ça. Je ne peux pas. Ici, la voix. Elodie. Non, non, ben non. Bien, tu peux donner ton indice à Dany. Ok. Dany, acceptes-tu? Attends. Acceptes-tu de nominer ta petite amie Ambre la semaine prochaine pour protéger ton indice? Oh. Putain, la voix, non. J'accepte. J'accepte. Bien. Dani, acceptes-tu? Ici, la voix, Dani. Qui est le clan que tu aimes le moins? Bah, je vais dire le clan violet parce qu'ils sont quatre. Ici, la voix, Dani. Acceptes-tu de immuniser tout le clan violet la semaine prochaine pour protéger ton indice? Mais c'est une blague! Putain. Bah ouais, j'accepte. Youpi tralala. Bien, tu peux jeter ton indice. Fallait les ramener ça à la maison. Ouais. Voilà, il y a eu un indice sur Elodie. Donc son identité. Enfin, son identité, n'importe quoi. Son secret. Et voici c'est quoi l'indice, je le pose là. Voilà. Bien. Ici la voix. Lilou et Indira, rendez-vous sur. Non, bah si. Lilou et Indira, rendez-vous sur la barre des nominés. Enfin, bref, voilà. Des dilemmes. Oh, non, mais wesh. Ici la voix. Indira, tu peux regarder ton identité. Enfin, ton secret. Ouais, ça va. Ça passe. Lilou. «
Oh ouais, ça va, je vois, mais ouais. Ici la voix. Il me dira, acceptes-tu d'user 2000 euros de ta cagnotte pour protéger ton indice? Ouais, les loups. Pareil. Bien. Indira, acceptes-tu de nominer Lilou la semaine prochaine pour protéger ton indice? Hors de question, Lilou, voilà mon indice. Pareil. Bien. La voix est très déçue de vous deux. Vous n'êtes pas stratège, mais ce n'est pas grave. Vous ne voulez pas nominer. Vous nominez l'une l'autre. Ce n'est pas grave. Tant pis. Rendez-vous dans le salon. Pas. Ben voilà, ben voici mon indice sur mon secret. Et moi, c'est ça, mon image de générique. Voilà. Ah. D'accord. Ici, la voix. La voix convoque Ludwig. D'accord. Et Nance, d'accord. Ici la voix. À vous deux. Regardez vos indices. Non. Pourquoi ça va? Ici la voix. Ludwig. Acceptes-tu de perdre 2000 euros de ta cagnotte pour protéger ton indice? Oui, la voix. Nance. J'ai combien la voix? J'ai 12 000? Oui. Bah ouais. Ici la voix. Ludwig, acceptes-tu de te nominer la semaine prochaine pour protéger ton indice? Oui, la voix. Nance. Non. Bien, tu peux donner. Si la voix, Ludwig. Vu que la voix sait que tu fais jeu à part, tu ne devrais pas tenir tant que ça à Cassandra. C'est une blague. Acceptes-tu de diviser ses votes par deux ce soir pour protéger ton indice? Non, 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 la voix, non, je peux pas faire ça. Non, non, je ne divise pas les votes par deux de Cassandra, c'est hors de question. Bien, ton indice est donc révélé. Vous avez vu? Non. Ben, en gros, on m'a demandé de me nominer la semaine prochaine, je l'ai pas fait, donc du coup, voilà mon indice. Et moi, on m'a demandé de diviser la vote par deux de Cassandra, et je l'ai pas fait, donc voici mon indice. Oh, c'est gentil, du coup, mes votes, eh ben, ils sont multipliés par deux. Non, 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 ben non, t'es juste pas divisé par deux. D'accord, merci. Ben, de toute façon, j'aurais eu 100 pour... j'ai eu 100% dans tous les cas, donc voilà. Ici la voix. Il reste trois habitants. Paulin, rends-toi seul sur la barre des dilemmes. Ok. Paulin, tu peux regarder ton image. Ah. Ici la voix. Paulin, acceptes-tu de perdre 2000 euros pour protéger ton indice? Oui. Ici la voix. Paulin, acceptes-tu de nominer Elodie la semaine prochaine pour protéger ton indice? Non. Bien, tu peux revenir dans la maison avec ton indice. Pas de problème, la voix, pas de problème. Ben voilà, on m'a demandé de nominer Elodie et je ne l'ai pas fait. Donc voilà mon indice. C'est la voix. Ambre et Victoire, rendez-vous sur la passerelle. Évidemment, c'était prévisible. Oui.
Ici la voix. Victoire. Tu peux regarder ton indice. Ok. Ambre. Ok. Ici la voix. Victoire. Acceptes-tu de perdre 2000 euros pour protéger ton indice? Oui, la voix, j'accepte. Ambre. J'accepte. Victoire. Acceptes-tu d'immuniser Ambre pour les prochaines nominations? Qui seront la semaine prochaine? Non, la semaine prochaine, c'est des nominations garçons. Mais les nominations garçons se joindront de quelques filles. Et quelques... Enfin, de ce soir, mais sinon, c'est la semaine d'après, genre, c'est des nominations mixtes. D'accord, ben non. Enfin, oui. Oui, j'accepte de l'immuniser. Oh, merci, t'es trop gentil, parce que moi, je n'accepte pas. Voilà, tiens, mon indice, j'en ai rien à foutre. Mais c'est très gentil de ta part, en tout cas, de m'avoir immunisé. Moi, je suis extrêmement heureuse. Écoute, je suis très contente. D'accord. Ici la voix. Victoire. Acceptes-tu de nominer Will la semaine prochaine? Non, non, ça c'est hors de question. Bien, vous pouvez revenir avec vos images de générique. La voix est encore une fois déçue de vous qui n'avez pas su protéger vos images. C'est pas grave, la voix. Ne nous en voulez pas. Ah là là, moi je suis tellement contente. Non, sérieux. Merde. Vous avez vu? Oui. Ben voilà, c'est mon identité. Enfin, mon indice, mon générique. Et ça, c'est le mien. Voilà. Voilà, alors ce prime a été très court. On n'a pas de résumé de la semaine cette semaine. Voilà, cette semaine, on n'a pas été minutieux. Pareil, on était censé faire l'after story, mais on n'avait pas de trucs disponibles et tout. On n'avait pas le temps, donc on est vraiment désolé. On n'a pas géré cette semaine, hein. Pas d'after story. Dans la maison, c'est parti en live total. Pas de résumé de la semaine cette semaine. Pas d'amour secret non plus. Mais bon, de toute façon, ça, c'était pas prévu. Voilà. Qui est content en tout cas que Will et Sacha se soient réconciliés? Bah moi je suis très contente parce que Sacha c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Will aussi. C'est deux personnes que j'affectionne particulièrement. Et quand ils se sont disputés, j'étais vraiment très partagée. Parce que d'un côté, bah je comprenais... pas la réaction, en fait, je comprenais la réaction d'aucun des deux, et à la fois, je comprenais la réaction des deux. Will, il se faisait exclure par ses amis, c'est normal, mais après, enfin, je comprenais pas le reste de ses réactions, pourquoi il réagissait comme ça. Sacha voulait se confier, mais pas à Will, c'est assez compréhensible, vu le secret qu'il voulait cacher. Après, voilà, pareil pour les règles. Et puis la réaction de Sacha envers Will, je l'ai trouvé assez aussi un petit peu déplacé de l'exclure de cette façon. Et il manquait beaucoup de tact. Et moi, les personnes qui manquent beaucoup de tact quand ils parlent, bah c'est vrai que c'est pas cool quoi. D'accord. Donc du coup je suis très contente. D'accord. Vous Inès? Je suis extrêmement heureuse qu'ils se soient réconciliés. Parce que... Pourquoi? Parce que tout simplement... qu'ils soient plus amis, pour moi, c'était... cette semaine, c'était du grand n'importe quoi, en fait. Très clairement, c'était... S'il y a une semaine à supprimer de l'histoire de Secret Story, c'est bien celle-là, quoi. Cette semaine, c'était du grand n'importe quoi. Voilà quoi, le seul truc bien qui s'est passé cette semaine, c'était
le action-vérité, mais voilà. Vous, Christophe, ben en fait, ces deux candidats, j'en ai totalement rien à foutre de deux. Donc voilà, oui, il est resté contre moi, donc franchement, j'aurais aimé qu'il quitte l'aventure. Et Sacha, bah, moi, j'étais beaucoup plus content quand il était pas quand il était contre Will, parce qu'il y avait des raisons. Will, il est resté contre moi, et rien que ça, pour moi, ça suffit, en fait. Il est resté contre moi, donc voilà. Bien. Et vous, Lola, ben moi, je suis très content parce que, voilà, moi j'étais énormément triste parce que ces deux candidats, enfin moi j'étais amie avec les deux et qu'ils se disputent comme ça, ça m'a fait énormément de peine quand je l'ai vu à l'écran. Donc ils se soient réconciliés, voilà. Par contre, Sacha, s'il va avec Nance, là je comprendrais pas. Enfin, il a le droit d'être amoureux de Nance parce que, ben, parce qu'il aime bien les physiques, il aime bien le physique de Nance, voilà, il a le droit. Par contre, Nance, je ne l'aime pas, c'est... Donc voilà en fait, donc il n'a pas à aller avec Nance parce que Nance, je suis sûre qu'il va se foutre de sa gueule. Enfin bref, je l'aime pas. Et vous, Arthur, j'ai pas trop d'avis. D'accord. Alors je vais vous laisser avec une page de pub. Et puis après, on va voir nos habitants et ils vont se retrouver dans le sas. Bisous. Oui, t'aimes les croquettes, tu n'en perds pas une miette. Avec Playvert, c'est super, super. En ce moment, chez Playvert, des croquettes pour chaque rovor à 1 euro seulement, alors profitez-en. Oh ouais, trop bien! Alors, avec les fraises Tagada, partagez vos plaisirs et vos désirs. Tagada, 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 Tagada. Allez, gosse brossez les dents. Chut. Dentifrèche, le meilleur dentifrice avec une efficacité de 24 heures. Re-bienvenue à tous et à toutes, et re-bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 66, Prime 4, le Prime des dilemmes. Voilà, alors, voilà, on s'était laissé avec la pub, et maintenant on va se retrouver avec nos habitants, et voilà. Donc, c'est parti. Ici les habitants, vous m'entendez? Oui. Ben pour les nominer, il est l'heure d'aller dans le sas. Ok. Salut. Bon, ben dites bien au revoir à Indira. Moi, je reviens d'ici 5 minutes. Bon, bisous quand même. Et les autres, est-ce qu'il y a d'autres gens que j'aime ici? Non, Ambre, c'est vrai, je l'aime pas, donc voilà. Enfin, si je t'aime bien, mais bon, m'approche pas, en fait. Ne fais pas la bise. Voilà, fais la bise aux gens, dis-leur au revoir. Vu que ce soir, je vais te dire. Par contre, la porte s'ouvre. Ouvre. Bisous. Allez, je dis au revoir à tout le monde. Non, pas à toi. Ah mais c'est toujours dans l'aventure Alexandre. J'avais même pas remarqué. Indira, bisous mes amours, si je pars rester fort. Cassandra, c'est pas grave. Bien. Alors on accueille Jean-Pierre pour les votes.
Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Tiens les votes. Merci beaucoup. Alors, on va voir ça. Merci Jean-Pierre. Ok. Je connais le contenu de l'enveloppe. On va se connecter avec les habitants. Enfin, le SAS. C'est parti. Bonjour les nominés, vous m'entendez? Oui. Bon, alors je vais commencer par résumer vos aventures. Alors vous, Cassandra, depuis le premier jour, enfin le deuxième, enfin après voilà, vous avez compris, vous faites chier tous les habitants et vous êtes insupportable avec eux. Plus personne ne peut vous supporter dans la maison. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans le SAS. C'est votre première nomination. Vous, Ndira, c'est également votre première nomination. Vous êtes emblématique, notamment par votre duo avec Sacha. Et par votre. Si vous partez, l'une de vous deux. Vous êtes toutes les deux des personnes indispensables au sein de la maison. Deux personnes emblématiques. Et l'une de vous deux va devoir partir ce soir. Et ça va faire énormément de mal au public. Sachez que les votes sont extrêmement serrés. C'est la première fois dans Secret Story, enfin sur cette chaîne en tout cas, que les votes sont aussi serrés entre deux candidats, en tout cas à ce stade-là de l'aventure. Il ne semble pas que les votes aient été aussi serrés un jour. Voilà. Alors il y a eu 55,6% des votes pour le revenant et 44,4% des votes pour le sortant. La personne qui quitte l'aventure ce soir avec 44,4% c'est Cassandra, je suis désolé, veuillez me rejoindre sur le plateau. Ah, merci beaucoup le public, merci, merci, merci. C'est moi qui reviens, oui, Ndira. Oh non, Cassandra. Non, mais pourquoi? Non, 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 Cassandra. Bisous Ludwig, allez, dégage, je m'en vais. Cassandra, veuillez me rejoindre sur le plateau. Allez, les stars s'en vont avec classe. Il y a quelques secondes, Cassandra a quitté l'aventure et nous l'accueillons très chaleureusement. Accueillez Cassandra! Ouhou! Salut! Bonjour Cassandra, comment vous allez? Bah, je quitte l'aventure, je m'attendais trop à aller en finale et tout, mais bon. Écoutez. Le public n'aime pas trop les stars apparemment, donc voilà. Donc, enfin, vous pouvez pas trop dire ça quand même, parce que vous êtes quand même quelqu'un du coup de très apprécié. Hein, les votes ont été extrêmement serrés. Voilà. Oui, les votes ont été très serrés. Mais bon, voilà. Je suis quand même très heureuse de. Mais en fait, non, je suis dégoûtée. Mais bon, voilà. Bien. Le prime est terminé et bah salut. Il a été un petit peu bâclé, je suis désolé, mais voilà. Salut, parfait, je suis désolé. Merde.